Ce jeudi 1er juillet, les princes William et Harry ont dévoilé aux yeux du monde la statue érigée en hommage à leur mère Lady Diana. La sculpture des Les Britanniques attendaient ce moment avec une impatience difficilement contenue. Ce jeudi 1er juillet, date à laquelle la princesse de Galles Lady Diana aurait fêté ses 60 ans. Un vibrant hommage lui a été rendu dans le 5 ans gardant de Kensington Palace. Mettant de côté leur querelle, ses deux fils William et Harry étaient présents pour dévoiler la statue signée Ian Rank Broadley. Érigée dans le parc en l'honneur de leur maman. Pour l'occasion, William a fait un beau geste vers son frère. Puisque pour lui, il a refusé que la cérémonie d'hommage à Diana soit rendue publique. Un seul média, l'Associated Press, et une seule caméra ont été accrédités pour couvrir l'événement. Conformément aux souhaits du prince Harry. C'est avec une grande impatience que des millions de personnes ont attendu le lever du voile pour découvrir l'œuvre. Le moins que l'on puisse dire est que l'enthousiasme n'a pas vraiment transpiré dans les chaumières. La statue n'a même pas du tout fait l'unanimité. Sur Twitter, de nombreux internautes ont souligné le raté complet que représentait l'œuvre. Au-delà du fait qu'elle ne ressemblerait pas du tout à la princesse physiquement. Le look qu'elle arbore sur l'œuvre serait bien loin de celui qu'elle avait adopté à la dernière partie de sa vie, on dirait Rosa May, se sont offusqués certains. Face à ces innombrables questionnements, un communiqué n'a pas tardé à sortir du côté de Kensington. Aussitôt relayé par le Guardian. Outre les questions d'ordre esthétique, beaucoup se sont interrogés sur la présence d'enfants autour de la princesse de Galles. La statue a vocation à refléter la chaleur, l'élégance et l'énergie de Diana, princesse de Galles, indique le document. La statue de Diana, princesse de Galles, est entourée de trois enfants qui représentent l'universalité et l'impact générationnel du travail de la princesse. Enfin, il a semblé important de préciser le choix vestimentaire, le portrait et le style de la robe s'inspirent de la dernière période de sa vie. Alors qu'elle gagnait en confiance dans son rôle d'ambassadrice pour les causes humanitaires. L'objectif est de montrer son caractère et sa compassion avec la famille royale. Peu importe l'événement, il y a toujours matière à discussion.